gens nous avons dégagé toute cette zone. N'est-ce donc point un peu plus vivable? Et bien sûr que oui. Est-ce que c'est français? Bien bonjour les amis, ici Data3 qui vous parle. Aujourd'hui nous retrouvons pour l'épisode 5 de Désert Durability. Et aujourd'hui nous nous retrouvons avec nos poules, nos magnifiques poules qui ont grandi, enfin quelques-unes, voilà. Ici nous avons notre bébé, notre dernier bébé, qui n'a toujours pas grandi. Et nous allons enfin procréer la vie. Malheureusement j'ai que 3 graines, est-ce que j'en ai plus? Vous croyez? Non, j'en ai point plus. Donc, afin d'exercer le pouvoir magique que la vie a sur ces poulets, nous allons leur donner à manger. Je ne sais pas, ça leur procure... Écoutez, les poulets sont bizarres. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose que je n'ai pas tenté, Ah si, j'en avais. J'avais trop peur de le faire. Je suis un foussard. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux y faire? Absolument rien. Nous allons faire le donjon. Ah bah le magnifique donjon. Allons donc explorer cette grotte. Absolument. Des démoniaques, des enfers, hein, on l'a vu précédemment. Nous avons tout, nous avons de la nourriture, de quoi nous éclairer, de quoi miner, c'est bon. Nous pouvons y aller. Nous embarquons dans un... J'en perds les mots. Un périple. Regardez-moi ça. Regardez cette chose qui nous avait lancé du sable dans les yeux. Très bien. Parfait. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'exploser toi-même. Naroué, de te le dire comme ça, tu es absolument attardé. Mon pauvre ami. Pourquoi as-tu donc fait cela? Pourquoi t'es-tu donné la mort pour si peu? Je ne peux répondre à toutes les questions, mais il semblerait que ce creeper soit vraiment fou. Mais ça me fait plaisir de voir autant de charbon. Nous pouvons cuire des choses supplémentaires. Alors, quelles choses, je ne sais pas. Sûrement consumer cette... Des choses qui vont consumer cette torche. Jusqu'à la faire s'éteindre. Pardon. Il y a des bébés, il y a des gamins, mais qu'est-ce que des gamins font ici? Éclaire-moi la zone, en brûlant. Tu dis une torche. Mais il y en a deux! Il y en a deux! Mais ça précise, je prends feu! Oh! Ah si donc, c'est comme ça que c'est comme cela que vous traitez les étrangers? Mais va crever, va crever! Démon! Infâme créature de la nuit! Mais il y en a combien? M'arrêtez de procréer! Mais... Ils me mettent en feu! Ne me touche pas! Mais tu... Enfin! J'en sursaute. Ah. Mangeons. Mangeons notre délicieux pain avec notre mie bien moelleuse. Notre pain tout chaud. Vous savez, c'est le meilleur, la mie, le pain. Enfin, la mie dans le pain, c'est la meilleure partie. Je ne comprends pas les gens qui ne mangent pas.
Eh bien, non, je dis qu'on va la faire, on va la faire. Absolument. Toi, tu vas crever. Il doit y avoir un spawner, c'est pas possible qu'il y en ait autant. Et on... Mais prends feu. Attends, merci. On est où? Enfin, nous ne sommes point à égalité. Je dois me venger. Je te donnerai la mort. Bien. Oh. Enfin, je ne t'ai rien fait. Je ne m'attaque pas. Il fait jour. Absolument, regarde. Ah, regarde la lumière de cette torche. Mais il y a encore des bébés. Mais c'est extrêmement bizarre. Toi, je t'ai déjà... Écoutez, je vais prendre le coffre. Un coffre de récupérer, c'est du stockage supplémentaire. Et c'est du bois qui n'est pas gaspillé. Oh non. Prenons, récupérons-nous ces barreaux. Qui sûrement nous serviront à faire des meurtrières dans notre magnifique fort. Il n'y a rien ici. J'entends des bruits. Absolument assourdissant, nous allons manger. Sûrement mon ventre. Attaquez-vous entre vous, c'est très bien. Oh, désolé, c'est plus simple. Voilà. En plus, tu m'attaques quand même plus après. C'est vraiment débile. Bien. Cette faim que j'ai. Oh. Parfait, regardez-moi ça. Elle s'est cassée pile poil au bon moment. Pile poil. Et vous avez jamais entendu cette expression dans toute votre vie dans un jeu. Écoutez, il y en a un deuxième, enfin. Non, mais j'arrive même pas à les atteindre. Avec ma belle épée magnifique. Belle. Voilà, nous récupérons les... Oh. Parfait! Mais regardez-moi toutes ces... 10 d'émeraudes! Regardez-moi, nous allons pouvoir changer ce vieux casque moisi par l'humidité inexistante de ce désert. Nous allons pouvoir nous enrichir de ces pouvoirs. Eh bien, écoutez... Une chose supplémentaire de fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien. Est-ce que c'est inutile? Absolument. Je ne comprends pas pourquoi il y a des structures aussi étranges ici. Peut-être qu'il y avait un coffre. De ce côté, que je n'ai point vu. Ah, je ne sais pas. Ou peut-être que j'ai vu, mais que j'ai pas fait gaffe. Je ne sais pas. Oh, il y a des bruits bien étranges. Je quitte cet endroit. Oh, mon Dieu. Remontons à la surface. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais enfin, mais... C'est la nuit. Ok. Je préfère mon lit. Mais regardez-moi cela! Enfin! Oh, quelle aventure mouvementée, mais magnifique. Oh, merci. Bon, c'est pas grave, tu es stérile. Et toi? Toi aussi. Vous n'avez pas été fécondé par un mâle. Quoi? Il n'y a point de gens dans Minecraft, vous savez. Vous-même, vous le savez, il n'y a point de filles, il n'y a point de... Ah, nous avons de...
L'or, écoutez, formidable. Je ne me suis même pas servi de mon... Ne sors pas, toi! Oh, tu veux mourir ou quoi? Nous, bien sûr, nous n'allons pas dormir, le grand comme... Enfin, vous ne mangez pas le pain. Parfait! Magnifique. Alors, et on se réveille, on va pouvoir se faire des yeux plats. Ou pas. J'ai pas envie de manger des pioupiou. Nous avons des ficelles. Nous en avons 6. Parfait. Nous allons pouvoir reposer absolument tout ce que nous on a récupéré. On va se faire un mur, voilà, dédié au coffre, ici. Nous allons récupérer notre bon vieux mouton. Marron. J'attends le marron, pas vous? C'est parti. Nous allons quand même nous protéger. Non. Ne soyons pas non plus complètement fous. Au point de partir. Je ne sais pas. Voilà. Au point de partir sans rien, sans aucune affaire. Qui pourrait nous être utile à l'aventure. Avons-nous une pelle? On en est point vu. Allons-y. Je vous dis au revoir. Poulet. J'adore le poulet. Je crains que nous ne sommes point partis du bon côté. Cela commence à m'agacer fortement. Bon, écoutez, je ne trouve pas Mister Mouton, donc je propose se faire cette grotte là-bas. Savoir s'il y a des cultures de l'enfer. Voilà, des œufs que j'ai trouvés. Un python. Oh. Ah, je ne. Je peux les récupérer? Oh. Ah, un animal, oui. Bon, on va l'appeler Jean-Luc. Jean-Luc! Il me suit, Jean-Luc? Ah, oh, Jean-Luc me suit. Jean-Luc. Oh. Rentrons à la maison, Jean-Luc. Évite de manger mes poules. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Oh, il va vouloir becquer mes poules. Très joli. Oh là, il s'étouffe. Jean-Luc. Oh, mon pauvre Jean-Luc. Est-ce que tu manges ça? Jean-Luc, il y a un creeper. Occupe-toi-en. Jean-Luc. Tu es là, Jean-Luc. Qu'est-ce que tu manges, Jean-Luc? Pour récupérer un peu de vie, est-ce que tu manges les œufs des poules? Mange-tu les œufs des poules? Un rat? Pourquoi je pas de moi? Pompon. Pompon, 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 c'est très bien ça, pompon. Écoutez, si j'ai des. Dédé. Mais regardez, si j'ai des animaux complètement débiles aussi.
Il vient de naître et il meurt. Parfait, donc y a-t-il quelques minerais de charbon que je pourrais dont je pourrais me délecter? Aïe. Ça faisait mal. Oh! Les sorcières. Formidable, quelle est cette chose? Ah, même. Viens, viens, viens. Viens. Immersion parfaite. On fait tout ça. Moi aussi, j'ai vidé les épées. Regarde. Mets le feu. Trop chaleureux. Et tu ne m'as pas donné. Tu m'as donné un os. Très bien, tu m'as donné ton os. Tu m'as sûrement donné ton fémur ou ta colonne vertébrale. Il y a un Enderman là-bas. Il ne faut pas que je le regarde. Quoique. Soyons malins de temps en temps. Nous avons besoin d'Underpearl, sûrement. C'est seulement les tuants qu'on peut le récupérer pour le moment. Ce qui est triste, c'est qu'on doit les regarder. Les regarder. On n'aime pas ça. C'est triste. Il a disparu. Oh non, mais il a disparu. Mais il voulait rigoler un peu. Dès que je vais me m'atteindre. Vous êtes beaucoup trop bas. C'est prétentieux. Qui a osé me tirer dessus? Tiens. Tu ne mérites pas la vie, Jackson. On va terminer de récupérer ce magnifique charbon. Oh, mais parfait, nous avons de la pierre. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus chaque jour. Voilà. Je trouve cette ce charbon absolument. Utile à la société. On n'a pas le droit de passer. Ah. Oui, bon. C'est pas grave. Alors, pas trop d'aigle. On va poser une torche là.
Tac, tac. C'est bon, je peux récupérer mon charbon. Pas possible ça. Oh, mon charbon, voleur. C'est moi qui mine, c'est moi qui le récupère. Je vous jure. Les zombies de nos jours. Un poulie et voilà. Hein? Oh! Pas commencer à. Hein? Parce qu'après moi je peux. Hein? Tu vois parfaitement de quoi je parle. Chère amie. Parfait. Donc, on va pouvoir enlever cette. Faire une faille de sécurité dans cette magnifique muraille. La grande muraille de Chine. Qui est absolument magnifique. Et qui est. Okay. Mais non, 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 non. Dégage, enfant maudit du démon. Mais tu es accompagné, c'est qui? C'est ton père adoptif, ça? Parfait. Je ne suis pas du tout décédé. Chance. On va se la laisser pour plus tard. Oh, voilà, on va. Regardez-moi ces démons! Que voulez-vous? Comment voulez-vous que je traverse là pour le coup? Pour le coup. Tentez d'y aller comme ça en pilier. Un peu de pierre. Évitez de faire du bruit. Ne pas déranger cette bête. Pour pas qu'il voit. Pour pas qu'il voit que je suis ici. Mais hein? L'entrée de cette grotte est absolument maudite. Du coup, je peux pas te casser. Allons à la main. Il m'a. Ouais, en fait, on va te laisser là. Oui. Oh oui. On va passer par là. Calme-toi. Oh. Est-ce qu'on peut. Ouais. Bestiole absolument ignoble et débile. Vite, rentrons chez nous. Il y en a même des blancs. Ils sont magnifiques, ils me font penser à la neige. Mais absolument ignoble de l'intérieur. Allons-y, il a le cœur pourri. Ah, nous voilà sauvés. Nous voilà bien arrangés. Un puits. Très étrange, un puits juste ici. Il doit y avoir un village aux alentours. Non? Est-ce que c'est juste moi qui me fais des films ou bien... j'en ai des frissons. Je ne trouve pas d'oasis. Écoutez, je ne trouve pas d'oasis, j'ai trouvé un puits. Mais bon, il semblerait qu'il n'y ait point de village aux alentours, donc... Oh, si! Tiens, quand on parlait de village... Oh, y a-t-il peut-être un peu de vie? Je l'espère.
Allons voir ça de plus près, mais cela est bougrement intéressant. S'il y a de la vie dans ce désert, oh. Sec, aride, avec peu d'herbe. Regarde-moi ça, des torches. Magnifique village, sûrement abrité, qui abrite sûrement beaucoup de vie. Il n'y a point de fenêtre, par contre. Ceci est très étrange. Waouh. Oh, le vide qui règne. Oh non, petit cheval. Petite âne. Il n'y a pas de vie ici. Oh. Bonjour. Oh. Un commerçant bien étrange et enchanté, cher ami. Que me vaut le plaisir de vous rencontrer. Il y a donc de la vie dans ce village. Non, tu ne sors pas. Tu t'es enfermé, tu restes enfermé. Du coup, encore. Il semblerait qu'il y ait bel et bien de la vie dans ce village. Bonjour. D'accord. Ok. Vous savez, peut-être qu'en faisant quelques échanges, nous pourrions en gagner d'autres. Et donc pouvoir avoir la chance de récupérer des objets supplémentaires. Oh. Du feu. Cela me rappelle de terribles souvenirs. Ah. Oh. Il semble que ce village n'ait pas besoin de ses bibliothèques. Moi, je vais m'empresser de le récupérer. Chut, 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 en toute discrétion. On vient de récupérer cette torche. Voilà. Nous avons absolument dépouillé cette houe. Celle où il n'y a absolument rien. Toi, d'accord, ouais. Elles sont toutes pareilles. Oh. Pourquoi y a-t-il une échelle juste ici? Et en plus des escaliers. Oh, c'est une villa de luxe. Est-ce que c'était absolument inutile de relier le premier et le deuxième étage avec un escalier? Et ça indique qu'il y a une échelle. Bien sûr que oui. Mais ces maisons sont vides. Regardez-moi ça, c'est dépourvu de tout sens. Pourquoi y a-t-il des bibliothèques ici? Alors qu'il n'y a point de personne. Il n'y a même pas de porte. Regardez-moi ça. Maison petite, vide et avec des torches. Pourquoi y a-t-il des. Pourquoi il y a des bâtons? Des barrières comme ça posées en plein milieu dans le vide. Écoutez. Sûrement allons-nous passer la nuit dans ce village. Étant donné que la nuit le veut bien. Oh. Mon Dieu. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas toi. Toi, tu es inutile. Toi, tu. Quoi? Oh, excusez-moi, je sors mon appareil photo. Voilà. Oh, imbécile! Pourquoi m'attaques-tu donc? Écoutez. Oh! Cette chose m'avait l'air presque immortelle. Fort étrange.
une personne de absolument folle, absolument démoniaque. Démoniaque, absolument. Tu es possédé par les démons. De la clé à... Alors, c'est pas pour t'embêter, mais... C'était très inintéressant. Oh. Intéressant. Nous allons garder cette la position de cette cet endroit en tête. Voilà. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. J'adore. Oh, incroyable. Ça va dans les tréfonds et les ténèbres. Mais c'est magnifique. Est-ce que nous faisons ce tour en minecart? Je pense que ce serait quelque chose d'assez intéressant et d'assez fun, d'assez drôle. Écoutez, nous sommes dans une aventure assez sérieuse. Des fois, ce serait bien de prendre des pauses, donc je garde cette mine en tête pour pouvoir potentiellement, écoutez, s'amuser un peu. Oh, Rudy, à quoi il sert ce trou? Qu'est-ce qu'il a provoqué d'ailleurs? Il y a eu un éboulement pour qu'il y ait de la pierre ici. Ou alors, vous avez eu la flemme de casser cette pierre ici, chose que je comprends totalement. Moi-même, j'ai une flemme considérable sur beaucoup de choses. J'ai pas mon bouclier sur moi, j'avais oublié. Bon, passons la nuit de manière correcte, chez des gens corrects, hein, bien sûr. Bien. Vous ne m'en voulez pas, cher ami, on ne se connaît pas, voilà, vous êtes affolé, je comprends. Voilà, je barricade un peu votre chez vous. Oui. Ça va? Voilà. On va discuter toute la nuit, on n'a rien d'autre à faire.